Tu es digne de louange. Alléluia. Merci Seigneur, notre Dieu. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce soir, Seigneur notre Dieu. Tu es bon. Tu es grand. Le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec moi et proclamer que le nom de Jésus est un nom glorieux. C'est le plus beau de tous les noms. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si merveilleux. Tu veux t'élever, lever tes mains et entrer dans l'adoration. Chanter, célébrer le nom de notre Dieu, le nom de notre Sauveur, le nom de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut-il chanter avec moi que la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, nous donnons un libre accès dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Il n'y a pas d'égal. Il n'y a pas de rival. Notre Dieu est celui qui triomphe à jamais. Il triomphe. Il triomphe à tout jamais. C'est pour cela que nous chantons et que nous lui rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la majesté. Ce nom est victorieux. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Oh, c'est merveilleux d'appartenir à ce Dieu. C'est merveilleux. Que serions-nous sans lui? Alléluia. 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 Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, notre Dieu. Nul n'est comme toi. Oh non. Ce nom est victorieux. Ce nom est glorieux. Ce nom est merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci, ô Dieu. Ô Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es bon.
Tu es glorieux, tu es merveilleux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Alléluia, alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir, te rendre gloire et grâce en ces instants. Tu es le Dieu qui nous fait grâce. Merci pour ta main qui s'étend toujours sur nous pour nous garder et pour nous protéger. Merci de nous avoir donné la vie, le mouvement, l'être. Tu nous as donné le vêtement, tu nous as donné la nourriture, tu nous as donné la santé. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni à jamais. Voici ce temps, éternel notre Dieu. Nous voulons te le recommander pour que tu puisses disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Pour que tu puisses aussi, ô Dieu, disposer ton cœur. Oh, mais il est toujours bien disposé, ton cœur, à recevoir nos prières. Merci de bénir ce temps, de bénir mon frère, de bénir ma sœur. Merci pour les exaucements. Continue, ô Dieu, à nous renouveler tes bontés, tes grâces et tes faveurs. Nous sommes ton peuple. Et nos vies dépendent totalement de toi. Si tu nous avais indiqué un autre Dieu, nous tournerions vers lui. Mais tu as dit qu'il n'y en a point d'autre. Tu es le seul Dieu. C'est pour cela, éternel, notre Dieu. Et c'est toujours auprès de toi que nous venons. Et même quand l'ennemi veut nous décourager, nous disons, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Si ce n'est auprès de toi, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui sauvent. Tu as les paroles qui guérissent, qui consolent. Tu as les paroles qui boostent notre foi. Tu as les paroles qui nous changent et qui nous transforment. Merci Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous assister, d'être avec chacun de nous pour ce moment. Toute la gloire au Dieu te revienne dans tout ce que nous faisons. Que toi seul sois vu. Nous voulons disparaître, diminuer. Au nom de Jésus, nous te prions pour cette soirée. Nous te rendons grâce, car tu nous exauces toujours. Nous te prions et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce nom est glorieux, ce nom est merveilleux, car la Bible dit que ce nom est une tour forte pour les justes. Les justes s'y réfugient et trouvent un abri, il est en sécurité. C'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est un nom merveilleux parce que la Bible nous dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un nom merveilleux. C'est un nom glorieux. Car il est écrit dans la Bible que c'est en ce nom que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce nom est merveilleux, frères et sœurs, car c'est en ce nom que nous chassons les démons. C'est en ce nom que nous parlons de nouvelles langues. C'est en ce nom que nous saisirons des serpents. Et s'il nous arrive de boire quelques breuvages mortels, il ne nous fera point de mal. En ce nom,
La Bible dit que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom est merveilleux, ce nom est glorieux. Celui qui les porte a été souverainement élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom. C'est notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. C'est un nom glorieux. C'est un nom merveilleux. Je prie ce soir que notre Seigneur vous bénisse abondamment dans vos maisons, qu'il agrée vos prières et qu'il accomplisse en votre faveur des grandes choses qui te feront dire, comme les enfants d'Israël, « L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. » Un jour, tu le diras toi aussi. « L'Éternel a fait pour nous. » D'ailleurs, frères et sœurs, au moment où nous sommes en train de partager cette parole, regardez le nombre de gens qui sont décédés à cause de cette épidémie de COVID-19. Pas seulement ici en Belgique, mais dans le monde entier. Et toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Le miracle, ce n'est pas simplement de voir des choses matérielles, mais c'est aussi de réaliser la grâce de Dieu dans nos vies. Oh, je voudrais que quelqu'un là où il est chante et dise, l'Éternel a fait pour moi des grandes choses. L'Éternel m'a épargné de cette épidémie. L'Éternel a épargné les membres de ma famille de cette épidémie. Je suis dans la joie. Il est le Dieu qui fait des grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, peut dire Amen? Dans le nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la victoire. Alléluia. C'est pour cela que je dis, qu'en ce nom, là où tu es présentement, sois béni. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que sa faveur abonde dans ta vie et dans la vie de ceux que tu aimes. Ce soir, frères et sœurs, nous lirons dans le livre d'Ésaïe. Au chapitre 55, et nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Il est écrit, je préférerais qu'on commence à partir du verset 6, Ésaïe 55, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel. 1
périssable. Au verset 12, il est dit, oui, vous sortirez avec joie. C'est ça le thème de notre message de ce soir. Vous sortirez avec joie. Chers frères et sœurs, ce chapitre fait partie de la deuxième partie du livre d'Ésaïe, où Dieu parle à son peuple exilé à Babylone depuis la chute de Jérusalem. Tout le monde sait à quel point un exil forcé est pénible et dur à vivre. Pourquoi? Simplement parce que l'oppresseur ne va se priver d'aucun droit pour vous malmener, vous brimer, vous asservir, vous imposer toutes sortes de contraintes. Et si en plus, frères et sœurs, le pays dans lequel vous avez été déporté se trouvait que Babylone, c'est-à-dire le plus grand et le plus puissant empire de l'époque, on peut aisément imaginer la souffrance, le désespoir, la tristesse et même l'incrédulité des enfants d'Israël. Sortir de Babylone semblait une illusion, être une illusion, un rêve, quelque chose de difficile dans la tête des enfants d'Israël, quelque chose de très difficile à arriver. Pourtant, frères et sœurs, c'est ce que Dieu leur avait promis depuis le temps de Moïse. Dieu avait dit à son peuple, quand nous lisons dans les livres de Néhémie, au chapitre 1er, versets 8 à 9, Dieu avait dit ceci à son peuple. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. C'était la promesse de Dieu. Il dit, quand vous seriez exilés, même aux extrémités du ciel, de là, j'irai vous chercher, je vous ramènerai, je vous rassemblerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. À l'extrémité du ciel, c'est-à-dire même à un endroit qui semble inaccessible, même à un endroit qui semble inatteignable. Dieu a dit à son peuple, même si vous vous trouvez en ces endroits-là, parce que vous êtes revenus à moi, je n'aurai aucune difficulté à aller jusque-là, à vous prendre, à exercer mon autorité, mon pouvoir, et à vous ramener dans les pays que j'ai choisis pour que mon nom y réside. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, alléluia, on peut t'avoir emmené en exil. On peut t'avoir emmené en exil dans le monde des ténèbres. On peut t'avoir emmené en exil dans les liens de la mort. On peut t'avoir emmené en exil dans les prisons de l'échec, dans les déserts de la malédiction. Alléluia! On peut t'avoir emmené en exil dans les lieux les plus hostiles, dans les lieux les plus fermés. Ton Dieu, le Dieu que je te prêche ce soir et maintenant, ton Dieu n'aura aucune difficulté à venir t'y chercher. À venir t'y chercher. Je ne sais pas où on t'a emmené, où on t'a enfermé, où on t'a enchaîné. Ce que Dieu dit, c'est qu'il viendra te chercher. Même si c'est aux extrémités du ciel, même si c'est dans les profondeurs des entrailles de la terre,
Il dit, je viendrai. C'est la promesse, mon frère, ma soeur. Les enfants d'Israël sont exilés à Babylone, le plus grand empire, le plus puissant empire de l'époque. Et ils oublient cette promesse. Alléluia. Je voudrais te rassurer, mon frère, ma soeur, pour te dire, oh, il y a des merveilleuses choses avec Dieu dans ta vie et dans ma vie. Arrêtons de penser que c'est fini. Arrêtons de penser que nous sommes aux extrémités dans un endroit où Dieu ne peut pas venir nous chercher. Il a dit, je viendrai. Je viendrai. Même si vous êtes exilés aux extrémités du ciel. C'est en cela, frères et sœurs, que notre Dieu nous est magnifique. Alléluia. Il viendra. Tout ce que Dieu attend pour agir, pour venir nous chercher, même aux extrémités de la terre, c'est deux choses. Comme nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, au verset, non, je voudrais le lire, au verset 5 et 7, nous l'avons lu, il dit au verset 6 et 7 plutôt, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Si nous les cherchons, il viendra nous tirer d'affaire. Invoquez-les, tandis qu'il est prêt. Même au bout, dans les entrailles les plus obscures de la terre, tant que nous l'invoquons, tant que nous les cherchons, le Seigneur viendra. La deuxième chose, c'est quoi? Il dit au verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. C'est d'abandonner les voies de la méchanceté. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous imaginer continuer à vivre dans la méchanceté, à emprunter les voies de l'iniquité. Et nous dit, Dieu viendra de toute façon. Mais si nous retournons vers l'Éternel, si nous allons vers lui avec humilité, notre Dieu aura pitié de nous, lui qui ne se lasse pas de pardonner, il nous pardonnera. Et alors, il ira nous chercher, il ira nous chercher. Si nous agissons, comme il est écrit ici, le chercher, l'invoquer, nous détourner des voies de la méchanceté, Dieu déploiera sa puissance en notre faveur pour nous tirer de quelque lieu que ce soit où nous avons été conduits en exil. Voilà pourquoi il leur disait, au verset 10 et 11, il dit, vous ne croyez pas. Moi, je vous ai donné la promesse depuis le temps de Moïse. Vous regardez les grands et la puissance de l'empire de Babylone et vous ne croyez pas. Mais moi, je vous ai dit que même aux extrémités du ciel, je viendrai vous prendre. Et pourquoi il leur dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, alléluia, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes et sans avoir donné de la semence aux semeurs. Il dit, regardez, quand la pluie tombe, quand la neige descend des cieux, il n'y a pas moyen que la terre ne soit pas fécondée. Il n'y a pas moyen que les graines ne puissent pas germer. Il dit, il en est de même. Il en est de même de ma parole. Je vous ai donné cette parole. Il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Je vous ai dit que même aux extrémités du ciel, j'irai vous chercher. Cette parole est véridique. Elle est comme la pluie qui tombe. Les promesses de Dieu sont comme la pluie et la neige qui descendent des cieux. Elles ne retournent point à Dieu sans avoir exécuté ses desseins, accompli sa volonté, sans avoir, frères et sœurs, produit les effets pour lesquels cette parole a été donnée. Alors, es-tu aux extrémités du ciel? As-tu été emmené en exil quelque part? Es-tu détenu dans les liens d'une puissance quelconque, d'un esprit quelconque? Laisse-moi te dire que ton Dieu viendra t'y chercher. Il a pris l'engagement. C'est sa parole et sa parole ne peut pas demeurer sans effet dans la vie de toute personne qui croit. Alors il dit aux enfants d'Israël qui sont en exil à Babylone désespérés, il dit, je vous ai donné la promesse, je vous ai donné ma parole. Et ma parole ne peut pas demeurer sans effet. Frères et sœurs, croyons dans ce que Dieu dit ou a dit. Alléluia!
Croyons dans ce qu'il a promis ou dans ce qu'il nous promet, sans regarder aux circonstances qui sont les nôtres, sans tenir compte des réalités que nous vivons ou que nous traversons. Car Dieu, frères et sœurs, et vous le savez, il est maître des temps et des circonstances. Il peut, frères et sœurs, en quelques instants, frères et sœurs, changer les choses. Il peut en quelques instants les faire concourir pour notre bien. Pour notre bien. Dis Amen là où tu es. Dis-le si tu le crois. Il avait donné la promesse. Même si vous êtes exilés aux extrémités, je viendrai. Alléluia. Ce que Dieu a dit, frères et sœurs, ne peut demeurer sans effet, ne peut retourner à lui. J'insiste. Sans avoir accompli sa volonté, exécuté ses desseins. Cela était vrai pour le peuple de Dieu en exil à Babylone. Mais cela est tout aussi vrai pour toi et moi dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, dans la situation qui sera peut-être la tienne ou la mienne demain. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je voudrais t'inviter à saisir la promesse que Dieu te fait ce soir. Alléluia. Tu sortiras avec joie. Tu seras conduit en paix. Tu sortiras de l'exil. Tu sortiras de toute forme de prison dans laquelle l'ennemi t'a enfermé. Dis Amen. Tu sortiras de la triste situation qui est la tienne aujourd'hui. Tu sortiras, Dieu viendra t'en faire sortir. Tu sortiras des griffes de tes oppresseurs. Tu sortiras, même si l'ennemi t'a caché dans l'endroit le plus obscur, où il dit, ici personne ne peut le voir, personne ne peut le trouver. Non, ton Dieu voit. Parce que les ténèbres sont comme lumière devant lui. Il n'y a rien de caché. Il voit. Et il viendra te chercher, mon frère, ma soeur. Il te sortira. Oui, tu sortiras de la malédiction. Tu sortiras du cercle vicieux de l'échec. Tu sortiras. Ton Dieu t'en fera sortir. Et parce que Dieu a dit, ma parole ne peut pas demeurer sans effet. Saisis cette promesse ce soir. Crois dans cette promesse ce soir. Tu sortiras de la situation dans laquelle tu es en train de pleurer et de pleurer et de pleurer ce soir. Tu sortiras. Dans notre texte, il est dit, vous sortirez avec joie. Ah, j'aime Dieu quand il conjugue les verbes sortir, sortir de l'exil, sortir de la prison, sortir des mains de nos oppresseurs. Vous vous rappelez? Dans Genèse au chapitre 15, Dieu avait donné la promesse à Abraham. Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Écoutez ce que Dieu avait dit à Abraham. Il dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Il y a un délai, il y a une limite, mon frère, ma soeur. Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec des grandes richesses. Dis Amen. Il dit, nous ne vont pas sortir les mains vides. La nation à laquelle ils seront asservis, je la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Vous savez, frères et sœurs, que cette parole, cette promesse que Dieu avait donnée à Abraham, c'est effectivement accompli, mes frères et sœurs. Cette parole s'était accomplie. Quand nous lisons dans les livres d'Exode, au chapitre 12, alléluia, verset 36, il est dit, « L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens.
qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Exactement la même promesse comme celle qu'il donnera plus tard aux enfants d'Israël en captivité, en exil à Babylone. Au temps d'Abraham, déjà, il leur avait dit, vous sortirez avec de grandes richesses. Et là, il dit à ce peuple, vous sortirez dans la joie, dans la joie. Vous sortirez de cette situation où vous êtes opprimé, où vous êtes brimé, où vous êtes asservi. Vous sortirez avec joie. Je vous sortirai avec joie. Frères, sœurs, je ne sais pas si tu crois dans cette promesse. Je voudrais t'exhorter à faire un exercice. Pendant les temps et les jours qui vont venir, chaque matin, quand tu t'élèves, déclare ces paroles. Dis, aujourd'hui, je sortirai dans la joie. Déclare, je sortirai dans la joie. Quoi qu'il m'arrive, je sortirai dans la joie. Je sortirai dans la joie. Si tu crois en cela, n'hésite pas à le déclarer sans cesse et cela arrivera. Déclare des choses. Je sortirai dans la joie. Dis à l'ennemi, là où tu m'as retenu, je sortirai dans la joie. Je sortirai avec des bénédictions nouvelles. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et quand tu parles, mon frère, ma sœur, parce que tu as la nature de Dieu, les choses vont venir à l'existence. C'est pourquoi la Bible dit, retenez fermement la confession de votre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dans Genèse au chapitre 1er, il est notamment dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut, frères et sœurs. Dieu a parlé lumière, et la lumière a chassé les ténèbres. Tu veux chasser la tristesse? Parle, déclare, confesse, proclame la joie. Mon frère, ma soeur, vous sortirez avec joie. La joie fait partie de l'héritage de Dieu pour son peuple. Ne nourris pas ton cœur ou ton esprit de tristesse, de mal-être, de découragement, de désespoir, de négativité. Ça, c'est ce que l'ennemi veut. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'engager à marcher dans la joie du Seigneur, car la joie te fortifie. Quand tu perds ta joie, tu perds tes forces. Et là, c'est l'ennemi qui gagne. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Néhémie, « Ne vous affligez pas, ne soyez pas dans la tristesse, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Alléluia! La joie de l'Éternel. Vous sortirez avec joie. C'est pour cela, frères et sœurs, quand on lit l'épître de Paul aux Philippiens, à plusieurs reprises, il leur dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous! Vous allez certainement me dire, pasteur, là, le pasteur m'en demande trop. Il ne connaît pas mes problèmes, certainement. Mais quand Paul nous répète de nous réjouir dans le Seigneur, frères et sœurs, vous le savez, il était en prison sans le moindre espoir d'en sortir. Et il dit, réjouissez-vous toujours. Comment pouvait-il se réjouir en prison? Simplement parce qu'il avait compris que la vraie joie tire sa source, non pas dans les choses qui nous entourent, que l'on voit, qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais la vraie joie tire sa source dans la bonté, dans la fidélité et dans l'amour de celui qui nous a appelés. Dans l'amour de celui qui nous a appelés. Quand je réalise la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu, peu importe ce qui m'entoure. Alléluia. Mon cœur tressaillit d'allégresse. Quand je réalise la bonté, la fidélité de Dieu, même alors que je suis dans une tempête violente, je peux me lever et louer le Seigneur parce que je sais
qui ne va pas m'abandonner, qui ne va pas me délaisser. Quand je sais que Dieu est là, qu'il est au contrôle, qu'il ne peut se renier, qu'il est pour moi, cela me donne, alléluia, de me rire de ce qui m'arrive ou de rire de mes ennemis. C'est pour cela que dans le psaume 54, au verset 9, David disait, « Car il me délivre de toute détresse. » Psaume 54, verset 9. « Il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. » Il dit, « Je vois mes ennemis. » Et au lieu de paniquer, au lieu de trembler, au lieu d'être dans la tristesse, mes yeux se réjouissent. Pourquoi? Parce que je sais que mon Dieu, il me délivre de toute détresse. Il me délivre de toute détresse. Alors je chante, alors je loue. Tout semble compliqué. Mais je sais que mon Dieu me délivre de toute détresse. Alors, je me réjouis des difficultés. Je me réjouis à la vue des difficultés, des combats et des épreuves qui sont autour de moi. Vous sortirez avec joie de puissant empire de Babylone qui vous retient captif ne pourra rien contre la puissante main de ton Dieu. Tu sortiras avec des grandes richesses. Tu sortiras avec joie. Alors, mon frère, ma soeur, il n'y a aucune raison pour toi et moi. Oui, nous sommes humains, nous pouvons pleurer. Oui, nous sommes humains, nous pouvons nous inquiéter. Oui, mais lorsque nous revenons dans la parole de Dieu, nous allons dire comme David dans le psaume 118, au verset 7, il dit, « L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Vous voyez, notre joie, frères et sœurs, ne doit pas dépendre du fait que tout va bien. Si quelqu'un vous a dit, donne votre vie à Jésus et tout ira bien, il vous a menti. Si quelqu'un vous dit, donnez votre vie à Jésus-Christ et il n'y a aucun malheur, aucun problème, aucun combat, aucune difficulté. Non, cela, frères et sœurs, n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai, frères et sœurs. Non, mais nous, frères et sœurs, nous nous réjouissons parce que l'Éternel est notre appui. L'Éternel est notre secours. L'Éternel a dit, quand vous seriez exilés, même aux extrémités de la terre, du ciel, dans les profondeurs, dans les entrailles de la terre, je viendrai vous prendre. Je viendrai vous en faire sortir. Alléluia! Je me réjouis en l'Éternel. Ma joie en Dieu, je la déclarerai chaque matin parce que l'Éternel me délivre de toute détresse. Parce que l'Éternel me secourt en face de mes ennemis. Alléluia! Réjouis-toi en l'Éternel. Ne laisse personne ni rien te voler ta joie. Ne laisse personne ni rien te voler ta paix, ton rire, ton sourire. Ne laisse personne te voler ta gaieté, ton bonheur. Ni l'adversité, ni l'opposition, ni le critique infondé de ceux qui te jalousent, frères et sœurs. Le diable sait que lorsqu'il y a la joie dans ton cœur, tu es fort. Il suscitera des gens. Tu entendras des calomnies, tu entendras des critiques. N'en sois pas affecté. Laisse les ouvriers faire leur job. Quel job? Celui de critiquer le patron. Peut-être que c'est parce que tu es un patron, c'est pourquoi on te critique. Ce sont les ouvriers qui critiquent les patrons sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Un patron n'a pas le temps de faire ces choses, de bafons, car il est à un niveau beaucoup plus élevé. Mais même quand on te critique, même quand on te calomnie, tu n'es pas affecté par ça. Ta joie, tu comprends tout de suite que l'ennemi veut voler ta joie, que l'ennemi veut voler ta paix. Il veut te troubler pour t'affaiblir. Mais au milieu des calomnies, au milieu de toutes ces choses, tu lèves tes mains et tu loues le Seigneur. Tu bénis le Seigneur. Réjouissez-vous, disent les Écritures, lorsqu'on dira toutes sortes de méchancetés contre vous, toutes sortes de mal contre vous, frères, si c'est fondé
Ok, ce sont des critiques constructives. Tu t'observes et tu dis, je vais changer. Mais si c'est infondé, laisse les ouvriers dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Laisse les ouvriers critiquer le patron. Toi, tu es à un autre niveau et tu gardes ta paix et tu gardes ta joie. Frères et sœurs, réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous parce que nous sortirons avec joie. Parlons de la joie. La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 15, verset 13. Proverbes chapitre 15, verset 13. La Bible dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Vous voyez? Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et le diable le sait. Le diable sait que quand le cœur est triste, l'esprit, l'homme intérieur, ce qui fait la force de l'homme intérieur, s'en va. Tu deviens faible, tu es abattu, tu es découragé. Tu ne vois plus le bout du tunnel. Tu ne crois plus dans les promesses de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tiens bon. Tiens bon. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne sois pas dans la tristesse. Dans Proverbe 17, le verset 22, il dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Les mi quoi? Les eaux. Dieu a dit, vous sortirez. Et pas simplement que vous sortirez de la puissante main des Babyloniens. Non, vous sortirez et vous sortirez avec joie. Dans le pays d'Égypte, il leur a dit, vous sortirez, mais vous sortirez avec des grandes richesses. Je crois dans le Dieu qui n'a pas changé. Et lorsqu'il sort son peuple de quelque situation que ce soit, ce sera toujours avec un supplément, avec joie, avec paix, avec richesse, avec élévation, avec grâce, avec distinction. Alléluia! C'est pour cela, mon frère, ma sœur, qu'il est important que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Notre joie ne dépendra pas. Si ça devait dépendre des circonstances, nous serions tout le temps abattus, nous serions tout le temps tristes. Mais Dieu veut que ton cœur et mon cœur soient remplis de joie. Vous sortirez avec joie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend le pouvoir de la joie dans nos vies. Je ne sais pas si quelqu'un comprend pourquoi la joie qui est dans nos cœurs, que Dieu veut, que cette joie qui est dans nos cœurs, augmente. Je ne sais pas si quelqu'un comprend que la joie est aussi une cible, la cible privilégiée de Satan. Il fera tout pour t'enlever la joie. Il fera tout pour t'enlever la paix. Il te fera croire que tu ne mérites pas le bonheur, que tu n'es pas né, tu n'as pas été fait pour être dans la joie. Il fera tout pour t'attrister, mon frère. Il fera tout pour t'affliger, pour te convaincre que ça n'ira jamais, ça ne marchera jamais, que tu es perdu, que des malheurs vont s'abattre sur toi, que les choses vont empirer dans ta vie, dans ta famille. Il te dira des choses pour te troubler, il te dira des choses pour t'enlever la paix. Il va te voler la joie. Ton cœur sera rempli de tristesse, ton cœur sera rempli de désespoir, ton cœur sera rempli de découragement. Et quand c'est le cas, nos os commencent à se dessécher. Nos corps commencent à maigrir. Notre organisme se dérègle avec des conséquences plus ou moins graves, comme l'hypertension artérielle, la gastrite, le rythme cardiovasculaire qui change, qui devient anormal, le taux de glycémie qui devient flottant. Spirituellement, on est abattu, on ne croit plus. Oh, lève-toi et dis, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera dans ma bouche. La joie de l'Éternel est ma force. Je sais que mon Dieu viendra me chercher. Je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Je sais, il l'a dit. Le Dieu de mon salut a dit,
vous sortirez, vous sortirez, vous sortirez avec joie, avec joie, avec joie, avec joie. Merci Seigneur, je sortirai avec joie. Je pleure, mais je sortirai avec joie. Mon ennemi peut être aussi puissant qu'il s'imagine. Je sais que mon Dieu est plus puissant que tous mes ennemis réunis. Vous sortirez avec joie. Et non seulement vous allez sortir avec joie, mais Dieu a ensuite dit à son peuple, vous serez conduit en paix. Vous serez conduit en paix. C'est-à-dire, vous ne serez plus troublé. Vous ne serez plus inquiété. Vous ne serez plus menacé. Vous ne serez plus sous tension. Vous allez sortir de Babylone et je vous conduirai en paix. Voyez, c'est exactement, frères et sœurs, ce qu'il a fait au temps du pays d'Égypte. Alléluia. Lorsqu'il a sorti son peuple et que les Égyptiens ont voulu les inquiéter, qu'est-ce que nous voyons? Ils ont tous coulé dans les eaux de la mer Rouge. Il leur a dit donc, vous serez conduits en paix. Est-ce que quelqu'un croit? Il y aura un moment, frère, ma soeur, Dieu te sortira avec joie, avec des grandes richesses. Et puis, il te conduira en paix. Tes ennemis d'hier qui te poursuivaient, tu ne les verras plus. Il te conduira en paix. Est-ce que tu le crois? Je voudrais une fois de plus te dire, fais cet exercice. Quand tu te lèves le matin, déclare cette promesse. Aujourd'hui, Dieu me conduira en paix. Aujourd'hui, Dieu me conduira en paix. Partout où j'irai, il me conduira en paix. Il me conduira en paix. N'est-il pas celui qui a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ouh, il est au contrôle, frères et sœurs. Ayez la paix, vous aurez la paix en moi. Le Seigneur le dit dans Jean 16. Ayez la paix en moi, car j'ai vaincu le monde. Je suis au contrôle. Alors ton Dieu, non seulement te sortira avec joie, il te conduira également avec paix. Avec paix, comme disait Paul, je prie ce soir pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, le prince de la paix, celui qui te conduira avec paix. Il a parlé aux enfants d'Israël alors qu'ils sont à Babylone. Mais ils ont douté. Ils n'ont pas cru. Alors il dit, mais écoutez, c'est comme la pluie. Ma parole, c'est comme la pluie et la neige qui descendent des cieux. Ils ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas retourner sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné la semence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Amen, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu est fidèle. Oh, Dieu est bon. Oh, Dieu est glorieux. Dieu est glorieux. Le Seigneur avait dit à son peuple au temps de leur exil, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Ensuite, il leur a dit au verset 13, au lieu de l'épine, au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. J'aime énormément les mots au lieu de. Au lieu de. Au lieu de. Ah, je vais le relire. Oh, Seigneur, merci. Verset 13 d'Ésaïe 55. Au lieu de l'épine. Voilà encore une autre promesse qu'il avait donnée à son peuple. Au lieu de l'épine, là où poussait l'épine, s'élèvera les cyprès. Au lieu de la ronce qui chatoue, qui pique,
croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, périssable. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, alléluia, le temps de Dieu vient. Il y aura aussi dans ta vie des au lieu de la tristesse, il y aura la joie, dit Amen. Au lieu des larmes, il y aura des chants d'allégresse. Au lieu de l'échec, il y aura la victoire. Dieu dit, au lieu de l'échec, il y aura la victoire. Au lieu de la défaite, il y aura la réussite. Au lieu de la mort, il y aura la vie. Au lieu des pleurs, il y aura les rires. Est-ce que tu crois dans les promesses de Dieu? Dis Amen, parce que c'est comme la pluie et la neige. Quand Dieu a parlé, la pluie et la neige sont tombées. Elles ne peuvent qu'arroser, féconder le sol. Quand Dieu parle, alléluia, quand Dieu parle, ça ne peut être que vrai. Au lieu du malheur, ce sera le bonheur. Au lieu de, frères et sœurs, en mathématiques, on appelle cela la substitution. La substitution. Dieu mettra à la place de l'épine le cyprès, un arbre magnifique. Dieu mettra à la place de la ronce qui pique, il mettra le myrte, un arbre à fleurs blanches et odorantes. Il y aura des belles fragrances là où il n'y en avait pas au départ. Ça, c'est Dieu qui donne la promesse à son peuple au moment où il est encore en exil à Babylone, parce qu'il sait que la puissance de Babylone ne peut rien contre sa main triomphante. Il y aura des hauts lieux de... Parce qu'il est le Dieu de la substitution. Abraham a dit, mais voici, je suis vieux, je suis en train de mourir. Et qui va devenir mon héritier si ce n'est Eliezer de Damas qui est né dans ma maison? Mais Dieu lui a dit, non, au lieu de Eliezer, ce sera Isaac, ton fils, né de tes entrailles. Et ce même Abraham va sur le mont Morija. Emmenant c'est Isaac pour le sacrifier parce que Dieu le lui a demandé. Mais au lieu d'Isaac, qu'est-ce que nous voyons? Abraham ne va pas sacrifier Isaac. Au lieu d'Isaac, mes frères et sœurs, il y a un bélier. Le Dieu de la substitution. Le Dieu de la substitution. Au lieu, dit-il, au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Frères et sœurs, vous savez, il y a des choses quand Dieu parle. Parce que nous sommes dans une situation tellement désespérée. Nous avons difficile à croire. C'est pourquoi il disait aux enfants d'Israël, « Avez-vous vu la pluie et la neige tomber du ciel sans vraiment arroser, fertiliser le sol ?» Il en est ainsi de ma parole. Si vous avez vu le sol aride, quand la pluie tombe, les effets que ça produit, il en est ainsi de ma parole. Je ne peux pas retourner à moi sans avoir accompli ma volonté, sans avoir réalisé les desseins pour lesquels je l'ai envoyé. Frères et sœurs, au lieu de, ah j'aime ça, au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Est-ce que tu ne peux pas dire Amen? Est-ce que tu ne peux pas dire Amen où tu es? Regarde dans ta vie ce qu'il y a aujourd'hui, mais tu t'élèves un matin et tu commences à déclarer des choses qui sont dans ta vie. Tu dis, il est le Dieu de la substitution. Au lieu des pleurs, Dieu mettra des sujets de rire dans ma bouche. Au lieu de la misère dans laquelle je me trouve aujourd'hui, Dieu s'élèvera et mettra dans ma vie son abondance. Il est le Dieu de la substitution. Vous voulez que je vous lise encore un texte d'Ésaïe au chapitre 43? La Bible va encore beaucoup plus loin, frères et sœurs. Ésaïe chapitre 43, versets 3 et 4. Écoutez ce que la Bible dit. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime, je donnerai des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Même là où on voulait prendre ta vie, Dieu donnera des substitutions. Les dieux de la substitution. Alléluia. Les dieux de la substitution. Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu te donne
de promesses. Il te dit, tu sortiras avec joie de l'exil de Babylone. Dis Amen. Tu sortiras. Et la deuxième chose, il te dit, tu vivras la substitution à la place de, au lieu de, il fera autre chose, il mettra autre chose, quelque chose de plus glorieux, quelque chose qui fera que même les montagnes et les collines éclateront d'allégresse. Quelque chose de glorieux qui fera que même les arbres de la campagne, vous vous imaginez, battront des mains et diront, on n'a jamais vu pareille chose, car ça va être des choses inouïes que Dieu fera pour toi. Alors ce soir, pour terminer, je voudrais nous inviter à faire quatre choses. Alléluia. La première, c'est de nous engager à continuer à chercher la face de Dieu, comme il l'a dit lui-même ici dans Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Prenons l'engagement de dire, Seigneur, je te chercherai. Je t'invoquerai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. La deuxième chose que toi et moi, dans laquelle nous devrions nous engager, c'est d'abandonner toute méchanceté, de nous éloigner de toute mauvaise voie. Et la troisième chose, c'est de croire dans ce que Dieu nous dit ou nous a dit. C'est de croire dans ce que Dieu nous a promis ou nous promet. Car il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jamais sa parole ne peut demeurer sans effet. Les cieux et la terre peuvent passer, mais pas un iota de la parole de Dieu, des promesses de Dieu qui ne puissent se réaliser. Alors, saisis toutes les promesses du Seigneur. Dis, fais de ces promesses ton héritage. Commence à les déclarer, commence à les confesser. Et la quatrième chose, mon frère, ma sœur, c'est que tu gardes la joie et la paix dans ton cœur. Que tu gardes la joie et la paix dans ton cœur. Parce qu'elles sont source de ta force. Elles sont source de santé. Elles sont source de confiance en l'Éternel. Alors, mon frère, ma sœur, Dieu a dit à son peuple, oui, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne, nous donne, de prendre sa parole, de la serrer, de prendre ses promesses, de nous en approprier. Et de commencer, alléluia, à les déclarer, à les confesser. Alors ce soir, je vais nous conduire pendant quelques moments dans la prière. Alléluia, alléluia. Nous allons d'abord prier pour que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes, de prière. Des prières, frères et sœurs. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que nous ne soyons pas découragés. Le diable viendra te dire, mais où sont les exaucements de tes prières? Et tu lui diras, mon Dieu agira, il m'exaucera. Car la Bible dit, demandez et vous recevrez. Frappez-le, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Car Dieu me dit, invoque-moi, je te répondrai. Pour que nous ne soyons pas découragés. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière, plutôt que des hommes et des femmes qui passent leur temps dans les blablabla. Les calomnies, les critiques. Non, dis à Dieu, Seigneur, faites de moi un homme de prière, une femme de prière qui se tienne à la brèche et qui cherche ta face. Prions Dieu. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu. Voulons te louer, te bénir et te rendre grâce, Papa. N'est-ce pas toi qui nous donne par ton esprit, l'esprit dit à nos cœurs,
de ta part. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, fais de nous des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu et qui cherchent Dieu continuellement parce que nous savons que nous le trouverons. Si nous le cherchons de tout notre cœur, nous ne voulons pas chercher Dieu avec un cœur partagé. Seigneur, nous voulons te chercher de tout notre cœur, avoir totalement confiance en toi. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Éloigne de nous toutes ces formes de distractions, Seigneur notre Dieu. Éloigne de nous toutes ces formes de distractions qui prennent notre temps de communier avec toi, notre temps de chercher ta face, de t'invoquer, de te supplier, Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu. Combien nous est-il facile de passer des heures et des heures devant la télévision plutôt que quelques temps devant la prière, dans la prière. Tu as emmené tes disciples dans les jardins de Gethsémané et tu leur as dit, vous n'avez pas pu prier, veiller même une heure avec moi, Seigneur notre Dieu. Tu vois la vie de plusieurs d'entre nous. La prière devient comme une formalité que l'on expédie à la quatrième vitesse. Nous faisons le signe de la croix et pour nous, ça suffit. Nous nous levons, nous disons une prière. Oui, Seigneur, tu es aussi le Dieu capable d'exaucer même un mot, même un simple mot, oui. Mais tu es aussi le Dieu qui nous montre combien nous devons demeurer fermes dans la prière, persévérer. Merci, Seigneur, de nous montrer depuis déjà le livre d'Exode, lorsque nous voyons les enfants d'Israël combattre Amalek. Oh Dieu! C'est quand les mains de Moïse sont restées fermes jusqu'au soir qu'Israël a vaincu Amalek. Tu es le Dieu qui pouvait claquer de doigts et la victoire était là, Seigneur Dieu, en faveur de ton peuple. Mais tu as voulu nous donner la leçon de la persévérance dans la prière. Donne-nous d'avoir nos mains fermes. Donne-nous d'être résolument engagés dans la prière, Seigneur. À vaquer dans la prière. À vaquer, à tenir ferme, à continuer, Seigneur notre Dieu, à te chercher, à t'invoquer, à te supplier, Seigneur. Comme Anne, Seigneur notre Dieu, ta servante, malgré les railleries, les moqueries et les mortifications de sa rivale, elle n'a pas baissé les bras, elle a continué à aller dans ta maison, elle a continué à chercher ta face. Seigneur notre Dieu, et Samuel est venu, Seigneur Dieu, même là où mon frère, même là où ma sœur semble croire que c'est impossible. Non, nous voulons demeurer, persévérer dans la prière, nous voulons être dans la prière de l'enfantement jusqu'à ce que Seigneur Dieu, tous ces bébés dont nous sommes enceintes, puissent venir au monde. Toutes ces graines qui ont été enfouies dans notre jardin puissent germer, éclore et porter du fruit pour notre bien, Seigneur notre Dieu. Nous voulons que tu fasses de nous des hommes et des femmes des prières. Plutôt, Seigneur, que d'entrer dans les distractions de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les prophéties, entre guillemets, comme celle dont on disait, aujourd'hui, il n'y aurait pas de courant, d'électricité, d'eau, rien du tout, ténèbres pendant plusieurs jours. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas nous laisser entraîner dans toutes ces distractions. Donne-nous le discernement, Seigneur. Nous voulons vaquer à la prière, être des hommes et des femmes des prières. Seigneur, peu importe d'ailleurs, même s'il y avait obscurité ou ténèbres, si tu nous trouves en train de faire ce que tu nous as demandé de faire, en train de prier, alléluia, nous entendrons le son de la trompette et en un instant, en un clin d'œil, Père de gloire et de grâce, alors que nous sommes en communion avec toi par la prière, tu nous prendras et tu nous conduiras dans la gloire. C'est pour cela que nous te prions, Seigneur, fais de ton peuple un peuple qui prie. Béni soit ton nom. Nous allons maintenant prier. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie
et l'homme d'iniquité se pensait. Nous voulons maintenant nous humilier devant le Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi d'abandonner la méchanceté et toutes ces voies d'iniquité qui ne te plaisent pas. Nous allons prier, nous humilier devant Dieu, lui demander pardon. La Bible dit, notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Il y a des moments, frères et sœurs, il nous faut nous arrêter et dire, Seigneur, en toute humilité, pardonne-moi, purifie-moi, sauve-moi, délivre-moi. Prions notre Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu, ô mon roi, lequel des hommes peut dire, je ne pêche point. Quand nous nous approchons de toi, nous sommes conscients de ce que nous sommes. Nous sommes conscients de toutes les voies, de toutes les méchancetés, de toutes les iniquités, ô Dieu. Et nous venons humblement au-devant de toi pour te dire, Seigneur, toi qui ne te lasses point de pardonner, pardonne-nous nos offenses. Lave-nous et purifie-nous, Seigneur notre Dieu. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, éternel notre Dieu, toi qui vois toutes choses. Là où nous avons failli, là où nous avons échoué, là où nous ne t'avons point glorifié, nous nous humilions, Seigneur Dieu. Purifie-nous, lave-nous, sanctifie-nous et donne-nous, éternel notre Dieu, de nous approcher du trône de grâce. Revêtu de la justice de Jésus-Christ. Revêtu de la justice que tu nous as obtenue à la croix de Golgotha. Car il est écrit que toute notre justice à nous est comme un vêtement sale. Ô Dieu, lave-nous, Seigneur. Purifie-nous. Pardonne-nous nos offenses. Renouvelle ta grâce surabondante dans nos vies. Et donne-nous, éternel notre Dieu, de paraître devant toi sans tache ni ride ni rien de semblable. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui pardonne nos iniquités et nos péchés. Tu es le Dieu qui nous fait grâce au regard de toutes nos méchancetés, Seigneur. Merci de nous exaucer et de nous bénir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Dieu a dit à son peuple, oui, vous sortirez avec joie. Vous sortirez de Babylone avec joie. De cette prison, de cet exil, vous sortirez. Et vous sortirez avec joie. Nous allons dire, Seigneur, nous aussi, viens, Seigneur, me chercher. Là où l'ennemi me retient captif, là où l'ennemi m'a emprisonné, là où l'ennemi m'a emmené en exil, viens Seigneur, viens me chercher de là, fais-moi sortir de là avec joie, avec de grandes richesses, avec élévation, fais-moi sortir de là avec un cantique nouveau dans ma bouche, fais-moi sortir de là avec un chant nouveau, avec un témoignage nouveau qui fera que même les arbres des champs battront les mains, même les oiseaux du ciel, même les montagnes et les collines éclateront d'allégresse. Seigneur, je veux, je te prie, sois, viens, sors mes enfants, sors mes frères et sœurs, ceux de ma famille, dans la prison, dans les ténèbres, dans l'incrédulité, où les diables les ont enfermés. Tu as dit, oui, vous sortirez avec joie. Seigneur, fais qu'il en soit ainsi. Prions notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu as parlé à ton peuple. Exilé à Babylone. Depuis son empire.
avant même, Éternel, que ce que tu as promis ne se passe. Tu leur as dit déjà du temps d'Abraham, du temps de Moïse. Ce soir, nous nous sommes humiliés devant toi. C'est pour cela, Éternel, notre Dieu, que nous croyons et que nous pouvons t'appeler avec toute la liberté en te disant, Seigneur, viens nous faire sortir de Babylone. Viens nous faire sortir de la main de nos oppresseurs. Viens nous faire sortir de la prison. Viens nous faire sortir, Éternel, notre Dieu, du désert de la malédiction. Viens nous faire sortir, Éternel, notre Dieu, de là où nous avons été emmenés, Seigneur, notre Père, notre Dieu. Viens nous faire sortir de toute situation qui crée en nous la tristesse, qui crée en nous les larmes. Viens nous faire sortir, Éternel, notre Dieu, des griffes de nos oppresseurs. Et nous voulons que tu nous en fasses sortir avec joie, avec des richesses, avec des témoignages glorieux, Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu. Viens nous sortir, Seigneur. Viens nous sortir, Éternel notre Dieu. Sors-nous, Papa. Sors-nous de la prison de l'échec. Viens nous sortir avec joie. Fais-nous sortir avec des grandes richesses. Fais-nous sortir, conduis-nous avec paix sur le chemin que toi tu as tracé pour nous, que nous ne soyons plus inquiétés. C'est-à-dire que ceux qui voudront nous poursuivre, que nos ennemis, Éternel, notre Dieu, n'aient même pas l'occasion, parce que tu as dit, vous serez en paix. Parce que oui, comme au temps d'Égypte, Père, tu vas les précipiter dans les profondeurs des eaux, et nous marcherons en paix, et nous marcherons avec joie, et nous marcherons avec allégresse. Oui, Seigneur, notre Père, oui, Seigneur, notre Dieu, viens nous faire sortir avec joie et conduis-nous avec paix. Nous prions que ce soit, Éternel, notre Dieu, personne ne soit resté dans le désert de la malédiction où il a été emmené captif, dans le désert de l'échec où il a été conduit en exil. Oh, c'est la fin de l'exil. Nous décrétons la fin de l'exil pour ton peuple, quelle que soit la puissance qui le retient. Au nom de Jésus, notre Dieu est plus grand. Notre Dieu est plus puissant. Seigneur, maintenant que les chaînes tombent, que les liens tombent, au besoin, Seigneur, tu peux même toucher les cœurs comme tu l'avais fait à l'époque de Babylone pour que le roi eux-mêmes décrète qu'il y ait de ceux de la race d'Israël. Seigneur, notre Dieu, je prie que tu sortes ma sœur de la tristesse. Je prie que tu sortes ma sœur de cette situation qui la trouble. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ces attaques démoniaques, diaboliques, Seigneur notre Dieu, ces lois qui ont été écrites contre lui, contre elle, le condamnant, que tu la fasses sortir. Au nom de Jésus-Christ, pour la seule gloire de ton nom, Père. Alléluia. Alléluia, avec joie, avec joie, avec joie, avec joie. Et que tu conduises ton peuple avec paix. C'est pour cela, notre Dieu, frères et sœurs, nous allons prier et nous allons déclarer, j'ai rempli mon cœur de la paix de Dieu, de la joie de Dieu. Ma paix et ma joie ne dépendent pas des situations, ne dépendent pas des circonstances. Elles dépendent du fait que Dieu est ma source, que Dieu est ma source. Je crois dans sa bonté, je crois dans sa fidélité. Alors je dis à mon cœur, ne sois point triste, réjouis-toi dans le Seigneur. Prions, déclare ces paroles, alléluia. L'Éternel, tu es mon berger, tu es ma haute retraite, tu es mon refuge, tu es la source de ma joie, tu es la source de ma paix. Je te louerai, Seigneur. Je dirai à mon cœur, garde la paix de Dieu, garde la joie de Dieu, que mon cœur ne soit point troublé, que ma joie ne me soit point enlevée, volée, ôtée, que j'entende des choses, que je vive des choses. Alléluia! Ce n'est pas ça qui m'enlèvera la paix, qui m'enlèvera la joie. Ma joie et ma paix dépend du fait que Dieu est là. Il est là pour moi. Il viendra me chercher, même dans la prison des prisons. Oh, alléluia! N'est-il pas celui qui a envoyé son ange chercher Pierre dans la prison des
prisons, il dormait, Seigneur, entre des gardes. Il y en avait d'autres sentinelles. Il y avait plusieurs portes à franchir. Mais toi, tu es allé le chercher. Toi, tu es allé le chercher. Seigneur, mon Dieu, je te loue. C'est ça ma joie. C'est en cela que l'Éternel est magnifique. C'est en cela que je peux me réjouir. Je peux me réjouir à la vue de mes ennemis parce que je sais que l'Éternel est mon secours. Il m'abandonne. Donne pas dans la détresse, dans l'adversité. Il viendra à mon secours. C'est pour cela que je dis à mon cœur, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi. Réjouis-toi tous les jours. Prends la décision de te réjouir, mon cœur. Pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi-même, mon cœur? Pourquoi? Ne le sois point. Ne le sois point. L'ennemi cible ta joie. L'ennemi veut voler ta paix. L'ennemi veut voler ta joie. Alors ne lui en donne pas l'occasion. Ne lui en donne pas l'occasion. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi. La joie de l'Éternel est ta force. Alléluia. Si la tristesse entre dans ton cœur, les eaux vont dessécher. Ta santé va dépérir. Alors il y a la joie. Il y a la joie dans ton cœur. Je prie que l'Éternel remplisse ton cœur et de sa joie. Et de ta paix, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu vis, il est ton Dieu. Alléluia. 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 Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier maintenant et dire à Dieu, Seigneur, fais-nous vivre la substitution au lieu de. Dis à Dieu, Seigneur, qu'il y ait un au lieu de, qu'il y ait des au lieu de. Au lieu de, tu connais la situation qui est la tienne. Mais écoute, crois dans la parole. Déclare la parole. Pourquoi nous donnons l'exhortation avant? C'est pour que tu te bases sur cette parole pour prier. Que tu rappelles à Dieu sa parole, ses promesses. Tu as dit, Seigneur, tu as dit à ton peuple, au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Seigneur, qui est dans ma vie, là où il y a les épines, qu'il y ait des cyprès. Là où il y a des ronces, qu'il y ait des myrtes. Là où il y a la tristesse, que tu mettes la joie. Là où il y a les larmes, que tu mettes des chants d'allégresse. Là où il y a les pleurs, que tu mettes les rires. Là où je crois que c'est Eliezer, que tu me dises non, ce sera Isaac. Et là où je croyais que c'est Isaac, tu me dises non, c'est le bélier qui est déjà réservé. Seigneur, fais-moi vivre la substitution par rapport à tout ce que je vis aujourd'hui. Par rapport à ce qui est ma condition, à ce qui est ma situation. Prions le Seigneur. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce. Tu es merveilleux, Papa. Tu es le Dieu de la substitution. Qu'est-ce que c'est merveilleux de savoir que tu es le Dieu qui fait qu'au lieu de l'épine, s'élève le cyprès. À la place de la ronce puisse croître le myrte. Éternel mon Dieu, je viens avec mon frère, ma soeur, avec tous ceux de nos familles, là où il y a, comme Seigneur notre Dieu, la malédiction, qu'il y ait la bénédiction au lieu de la malédiction, parce que tu l'as déjà porté à la croix de Golgotha. Tu es devenu, Seigneur, en étant pendu au bois, tu es devenu malédiction pour que nous puissions être bénis. Alors au lieu de la malédiction, Seigneur, vienne, puisse paraître la bénédiction. Là où est tellement Dieu, il y a une vie de défaite constante, récurrente, permanente. Il y a la réussite au nom de Jésus-Christ. Là où est éternel notre Dieu, il y a chaque fois la défaite, il y a la vie, la réussite. Au lieu de pleurs, Seigneur mon Dieu, substitue les pleurs par les rires, Seigneur mon Dieu.
Remplace, 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 remplace. Substitue notre Dieu. Les larmes au chant d'allégresse. Le célibat au mariage, Seigneur. La stérilité à la fécondité. Au lieu de la misère, le malheur, que tu mettes le bonheur. Éternellement Dieu, éternellement. Au lieu de ténèbres, que tu les remplaces par la lumière dans la vie de mon frère et de ma sœur. Nous prions, Seigneur notre Dieu, qu'il y ait des au lieu de, que tu les substitues, Seigneur, tout ce qui est négatif par ce qui est positif. Tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui fait des grandes choses. Tu as dit, vous sortirez avec joie, dans la joie, dans la paix. Je substituerai, je vous remplacerai. N'est-ce pas toi-même qui l'as dit aussi, toutes les années, quand dévorait les sauterelles et les gélecs. Seigneur notre Dieu, tu vas jusqu'à donner des nations pour notre vie, parce que tu nous aimes. Est-ce que quelqu'un comprend l'amour de Dieu? Il peut dire Amen. Dieu, oh mes frères, ça c'est merveilleux. Il va même jusqu'à donner. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donnerai des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. N'est-ce pas merveilleux? Merveilleux. Le Dieu de la substitution. L'Éternel, notre Roi. Merci. Merci de nous faire vivre. Des choses. Joseph a dit, vous avez planifié le malheur, mais l'Éternel l'a changé en bénédiction. Au lieu du malheur, Dieu a mis l'élévation. Dieu a mis la bénédiction. Dieu a remplacé la malédiction conçue par les hommes, par les frères, par les membres des familles, par l'élévation et la bénédiction. Wow, c'est ce Dieu-là. Le Dieu de au lieu de, tu peux lui dire, tu peux le lui rappeler quand tu pries et lui dire, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit, au lieu de l'épine, ce sera le cyprès, au lieu de la ronce, ce sera la myrte. Seigneur mon Dieu, fais qu'il en soit ainsi dans ma vie, au lieu de l'instabilité, que tu mettes la stabilité. Dans ma vie, dans mes affaires, dans mes études, dans mes entreprises, dans tout ce que je fais. Au lieu qu'il n'y ait que des ennemis qui ne sont là qu'à me combattre, Seigneur, que tu les remplaces, que tu les substitues par des connexions, alléluia, qui vont me propulser loin. Qui vont me propulser loin. Qui vont me propulser loin. Mon frère, ma sœur, Dieu est bon. Nous allons prier encore, demander à Dieu, alléluia, qu'il puisse nous garder, nous protéger. Le déconfinement a commencé. Ne relâchons pas par rapport aux gestes de protection. Continuons à prier pour que la vague que certaines personnes redoutent ne nous atteigne point. Il est le Dieu qui a commencé avec nous. Nous sortirons de cette crise avec joie. Nous sortirons de cette période de COVID-19 avec joie. Dis Amen. Dis Amen. Déclare cela avec joie. Il y a des grandes choses qui t'attendent, qui nous attendent. Alors nous allons prier et demander à Dieu d'étendre sa main sur nous, de continuer à nous protéger et qu'ainsi, ils nous conduisent en paix, avec joie. Prions notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Tu es le Dieu qui commence et tu es le Dieu qui achève. N'est-ce pas toi qui as été avec nous depuis le début de cette période de confinement liée à COVID-19? Tu nous as protégés et nous voulons continuer à te prier. Seigneur, que tu continues à étendre ta protection, ta main puissante sur nous. Nous retirer du danger, de toute maladie, de toute contagion.
Éternel notre Dieu, tu es le Dieu qui a promis de nous guérir et de nous donner la santé dans Jérémie 33. Continue, éternel notre Dieu, à accomplir ta parole en notre faveur. Que tu nous gardes en bonne santé. Que tu nous bénisses dans nos projets. Que tu nous gardes loin de toute contagion, Seigneur. En ces moments où le déconfinement a commencé, où les gens vont reprendre le travail, Seigneur, sur leur lieu de travail, où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent. Protège ton peuple. Mets-le à l'abri, éternel notre Dieu. Réjouis le cœur de ton peuple, Seigneur. Réjouis le cœur de ton peuple. Nous prions pour que toute attaque qui est dirigée contre tes enfants, contre ton peuple, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que rien, Seigneur notre Dieu, ne puisse toucher à l'intégrité de ton peuple. Le sang de Jésus nous couvre. Le sang de Jésus nous couvre. Et nous prions pour tous ceux de nos frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, qui sont attaqués. Nous neutralisons tes attaques au nom de Jésus. Nous brisons le pouvoir des esprits méchants. Nous les lions. Nous les envoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple, alléluia, sorte avec joie. Alléluia, lève les mains et te loue et te chante et te célèbre. Alléluia, éternel notre Dieu. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, papa. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Frères et sœurs, pour ce soir, je prie que la main de Dieu soit posée sur chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour que par la puissance de l'Esprit de Dieu, vous soyez guéris de toute maladie, de tout mal. Vous soyez protégés. Vous soyez délivrés de toute oppression de l'ennemi. De tout esprit mauvais au nom de Jésus-Christ. Je prie que la joie et la paix de Dieu inondent vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, ne permettez pas ni à l'ennemi ni aux hommes de vous voler votre joie et votre paix. Éternel, notre Dieu, il est vivant. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Voilà, frères et sœurs, le message de ce soir. Vous sortirez avec joie. Vous ne mourrez pas dans ce trou. Vous ne mourrez pas à l'exil. Vous ne mourrez pas. Vous sortirez avec joie. Vous sortirez avec joie. L'Éternel vous conduira avec paix. Gardez vos cœurs dans la joie. La joie de l'Éternel est votre force. Commence à déclarer, je sortirai avec joie. Je sortirai avec joie. L'Éternel me conduira avec paix. L'Éternel me conduira avec paix. Je sortirai avec de grandes richesses, de grands témoignages. Il y aura des choses merveilleuses. C'est pour cela, Seigneur, que je veux marcher dans tes voies. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que je veux t'obéir. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit le nom de notre Dieu. Il est digne de louange. Il est digne d'honneur. Il est digne de force. Il est digne de majesté. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de louange, d'honneur. Alléluia. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu est grand. Dieu est glorieux. 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 Son nom est merveilleux. Alléluia. Merci. Nous allons terminer, comme d'habitude, frères et sœurs, avec ces chants. J'espère que là où tu es, tu vas vraiment louer le Seigneur, chanter, célébrer, bénir notre Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Merci Seigneur.
Alléluia, 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 alléluia. Jésus. Vous savez, le vendredi, frères et sœurs, c'est un temps de louange et de prière. C'est là que nous dépassons un peu. Soyons toujours là jusqu'au bout. Nous sommes en temps de confinement. Réserve même une heure, même deux heures pour ce temps avec le Seigneur. C'est pour cela que nous débordons. Ce n'est pas juste une heure, mais c'est plus que cela. Plus que cela. Tu chantes, nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Il est bon, il est grand, il est glorieux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle joie voyait-il mourant pour moi. Alléluia. Pour gagner mon cœur, il s'est offert. Il s'est offert. Si merveilleux. Si glorieux. Mon sauveur. Il règne. Il règne. Il est victorieux. Il a brisé mes chaînes. Il a brisé mes liens. Il a pris la place que moi j'ai méritée. Il est mort pour me donner la vie. Et il multiplie ses grâces dans ma vie, jour après jour. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir en ton nom? Le tombeau est demeuré vide. Il y a de l'espoir. Alléluia. La passion qu'avait le Seigneur a dépouillé l'enfer. Alléluia. Alléluia. C'est cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, oh, pour me pardonner, quel grand prix il a dû payer. Oui, par amour. Il a tout accompli, il a tout payé. Si glorieux, Alléluia. Alléluia. Éternel, bénis ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur. Remplis leur cœur de ta paix et de ta joie. Ouvre nos yeux. Et nous verrons, Éternel notre Dieu, les merveilles de ta grâce. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nos yeux spirituels. Et nous réaliserons, Père, que tu n'es pas mort en vain. C'est pour que nous ayons la vie. Pour que nous ayons la vie. Je veux chanter les merveilles de ta grâce. La croix que je suis libre. Que j'ai la vie, je veux chanter les merveilles de ta grâce. Rechanter les merveilles de ta grâce. L'âme veut chanter. Thank you.
que je suis né. C'est par ton nom que j'ai la vie. Si jamais je le sentais, une veille de ta grâce. Je vais chanter le veille de ta gloire. Je vais chanter le veille de ta gloire. Et mon âme veut chanter. Si glorieux, mon sauveur. Victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, prend la vie de grâce en grâce. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis. Je vous fixe rendez-vous dimanche à partir des 12h. Nous ferons passer le message. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end. Prenez les nouvelles les uns des autres. Je crois que les mamans ont reçu la lettre pastorale que nous leur avons écrite. Si vous ne l'avez pas, demandez à une maman qui l'a reçue de vous la transférer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde en paix, dans la joie, en bonne santé. Merci. C'était donc votre pasteur, le Bishop Robert Yalé. À très bientôt, le dimanche. Amen.